Et bonjour à tous, les Elessariens et Elessariennes. Bon, je sais pas du tout ce que ça donne, hein. Je sais qu'il y en a plein qui donnent des surnoms à leur communauté, mais je crois que j'ai pas choisi le très bon truc, hein. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la dernière grande mission de la campagne du bien de BFME, la bataille pour la terre du milieu. Voilà, tout est bien dit. Donc, comme promis, j'ai fait quelques missions de mon côté pour essayer d'XP les héros les plus importants au niveau 10, hein. Normalement, toutes les unités sont au moins niveau 5. En tout cas, ce qui est au niveau des Rohirrim, tout est au niveau 10, mais vu le nombre de missions qu'ils ont fait, je dirais presque que c'est normal. Donc c'est parti, on va faire avec bien sûr l'armée du Gondor. Alors, je sais pas vous, mais moi je prends toujours, je crois, l'armée du Gondor à la Porte Noire pour être RP, mais est-ce qu'il y en a certains qui prennent l'armée du Rohan? Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi je vais partir avec le Gondor en espérant pas trop décevoir les pros Rohirrim. Hein. Mais malheureusement, on va partir sur le Gondor, ou heureusement. La porte noire défend l'entrée du Mordor. Elle est bien gardée par les forces de Sauron. Intéressant tout ça. Ils ont l'air méchants en face. Hein. Et nous, on a l'air d'avoir pas une armée très bien organisée. Hein. Franchement, scandaleux. Vous avez vu la stratégie, hein. On a mis tous les archers en première ligne, hein, dans la cinématique. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Et après, bien sûr, pour chialer, le petit pour Frodon. Ah, ils attaquent déjà! Mais laissez-moi faire de l'écho, hein. Alors, on va peut-être faire une tour parce que souvent ils attaquent les camps donc. Bon, je sais, ils sont en train de m'attaquer, mais d'abord, je vais améliorer mes camps pour pas avoir de soucis après. Tant pis si je prends quelques dégâts, mais ça devrait passer. Bon, il y a peut-être Aragorn qui prend un petit peu trop cher. Maître d'armes. Laissez-moi! Ils sont énervés aujourd'hui, hein. Bon, pas tout ça. Ouais, tranquille. Donc comme je vous ai dit, j'ai pratiquement passé tous les héros niveau 10, à part ceux-là qui pour moi ne servaient pas à grand-chose, et Imrahil qui devait juste faire le minimum syndicat pour passer un level. Sinon niveau unité, on est bien. Legolas qui glandouille derrière. Alors les objectifs, hein. Survivez au premier assaut. Ah, c'était un assaut ça. Gardez tous vos héros en vie pendant la bataille. Bon. Je pense que cet objectif, ça sera presque impossible vu le nombre de héros que je dois surveiller et en plus des héros qui sont assez fragiles. Hein. En plus de Pipin, les nouveaux, je peux vous dire qu'ils sont pas très solides. Donc ça va être compliqué. On n'a que 422 pop et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé tous les pouvoirs là. Tac. Ah, j'avais même pas pris celui-là. Bon, on n'aura pas les aigles, mais tant pis. Voilà. On est bien à fond. Tous les héros sont là. Pipin passera normalement au niveau 10. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit cercle pour essayer de protéger nos flancs, pardon. Les archers qui sont un petit peu tout seuls, on va les mettre au milieu pour les protéger. Et ça devrait bien se passer, hein. Bon, lui, c'est vraiment une chips, hein. Tu, 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 tu. En vrai, ça va, j'ai une bonne armée, hein. Bon, par contre, l'utilité de limiter à 422 pop alors qu'on est censé être à 600, je comprends de nouveau pas. Hein. Bon, toi, t'es un peu trop énervé. Ah, il y a des catapultes maintenant? Pourquoi il vise la chips? Ok, catapulte par contre sur cette mission, c'est nouveau. D'habitude, il n'y en a pas du tout. Alors toi, je vais te mettre avec la cavalerie. Bon, au moins on a de la cavalerie. D'habitude, j'en ai pas, mais vu que j'ai des unités d'élite, là on en a. On va donner un peu d'expérience. Globalement, bon, pour l'instant, tranquille. On va se faire plaisir avec Gandalf. Hein. Ah, ouh. Oui. Allez, tous ceux qui ont des pouvoirs tueurs de Nazgûl, ça m'arrange. Qui a encore un truc Faramir? Ah ouais, c'est vénère, hein.
Fou. Aïe aïe aïe. En fait, je devrais peut-être faire un puits. Un puits, c'est bien. Pas oublier de faire les améliorations, bien entendu. Ce que je vais faire, je vais même vendre ça. J'en ai pas vraiment besoin. Bon, pour l'instant, ça temporise. Oh, j'ai pas perdu trop d'unités, j'ai l'impression. On va soigner ça. J'ai oublié ce super truc là. On peut booster les fermes du Rouen en cliquant sur chaque ferme. Ça, c'est magnifique. Tac. Ah merde, il n'y a pas de truc pour améliorer. Ok. Je voulais faire un bâtiment, mais pas dispo. Ok. Par contre, je vous vois venir de côté, hein, en fait. Hein. Oh, bah bien sûr, des mumucks. Bah oui. Ah, ça sera quoi? Super, la cave a fait le boulot. L'unité est en train de se soigner. Bon, en même temps, ils vont pouvoir aider à tuer le Mumak, c'est pas mal. De ce côté-là, les héros font le café. Je vais juste surveiller que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. En plus, le Mumak, il focus ce mauvais truc. Parfait. Une petite unité d'archers d'or qui vient, mais ça va, tranquille. Et là, on va se faire plaisir niveau pouvoir, hein. Donc comme vous pouvez voir, grosse armée. Des petits archers sur les murs, mais ça sert pas à grand chose. On va quand même le tuer, hein, pour la beauté du geste. Et combien de héros archers? 3. Oh ça va, tranquille, hein, pour l'instant. Ouais. Ah. Il m'a pété. Il m'a pété. Non, le mur. Ouais. Non mais vas-y, aucun respect pour l'architecture du Gondor, là, franchement. Respectez-moi. Ton heure est venue. On va y mettre en formation, mais là, franchement, je trouve que je suis bien, là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va laisser une unité par camp. La cave, on la laisse au centre pour intervenir au bon moment. Bah justement, le bon moment c'est maintenant. Ah par contre, les catapultes, s'ils viennent à chaque vague, ça va être un peu chiant. Allez, on esquive. On laisse la cavalerie faire le boulot. Bon, cavalerie d'élite, en plus niveau 10, hein. C'est là presque niveau 10, mais... Vous avez compris. Allez, crevez. Ah merde, j'ai oublié de te replier, toi. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. À part les vagues de côté qui sont un petit peu plus vénères que dans la mission de base. D'habitude, ils venaient juste avec des wargs une fois. Bon, là, ils vont venir avec des mumacs de temps en temps, je pense. Peut-être pire. J'espère pas. Ok. Ça se passe bien. Par contre, grosso modo, les attaques sont pas très violentes au centre. Hein. On est à combien de team assaut pour eux? On est toujours à la deuxième, ok. Parfait. Il focus à chaque fois les bâtiments, ça laisse le temps à mes archers de tirer, c'est parfait. Par contre, pourquoi il y a une unité d'orc de ce côté, pas de l'autre? Bon, de temps en temps, on donne de l'expérience. Hein. Bon, comme je vous ai dit, il y a des unités niveau 10, il y a des unités niveau 5, au pire, normalement. Et normalement, ça va. Oh, tu m'énerves. Hein. Alors, eux, à mon avis, vu la direction qu'ils prennent, c'est qu'ils veulent focus le camp du Rouen. Bah alors, vous n'arrivez pas à me toucher? T'es là, c'est bon. Hein. Bon, seul truc dommage, j'ai pas beaucoup de caves en vrai. Si j'avais eu la cavalerie Rohirrim, par contre, là je pourrais me faire plaisir. Hein. Les orques arrivent. Bon, est-ce qu'on se fait ce petit plaisir? Est-ce qu'on le fait? Vous voyez ce qui va venir? Un petit Gandalf qui se rapproche. Gandalf, on va lui faire la petite build protectrice et boum. Ah! Merde! Ah, les trolls! Ah, ils se sont pas fait bump!
Ouais, objectif, pas perdre de héros. Ouais, à retenir. Bon, c'était pour la beauté du geste, hein. Ouais, les trolls là, ils ont fait plus de dégâts que ce que j'aurais pu penser, mais bon. On va continuer à mettre ça. Niveau pouvoir, on va pas trop les utiliser pour l'instant. On va être bien. Globalement, il n'y a plus que des orques. Alors, tac, corps de Boromir, petit saut de Gimli. Par contre, ils vont où les orques? Ah oui, ils traversent toute mon armée pour aller sur les camps. Ah ouais, mais mon armée en plein milieu en fait, les gars. Pas très malin de votre part, hein. Ouais, il y a quelques heures qui sont passées, mais ça devrait passer, hein. Bon, c'est vrai que la tour centrale c'est devenu une chips, mais en vrai, ça devrait aller. Citadelle qui tombe en 2 secondes. Après, bon. Vous pouvez même péter ça, de toute façon, je compte pas faire des unités, hein, donc ça me dérange pas du tout. Allez, ça c'est fait. Ça c'est bon. Bon, il y a quelques orques encore qui traînent par là. Ah ouais, j'ai fait bugger les orques sur le mur. Et peut-être même. Ah non, le troll il a pas l'air bugué, ça va. Des nouvelles armées qui spawnent. Mais tranquille. De toute façon, le but, hein, c'est les héros temporisent les dégâts pendant ce temps, les archers tirent. Hein. Par contre, ouais, ils ont rendu les orques assez stupides. Je pensais que, ouais, ils traverseraient pas la moitié de mon armée pour essayer d'aller sur les camps. Ah, la chips. Ah bah, la chips, c'est mort. Bon, je vous ai dit que je risquais de perdre des héros. Hein. Je vous ai pas menti. C'est la marchandise. Ouais, c'est vrai que je crois que j'avais le sort de soin et j'ai pas du tout utilisé, mais. Limite, il est tellement nul ce héros. Va faire largement un cavalier de la mort. Hein. Autant Gimli, ouais, je veux bien le sauver lui encore. Il va juste profiter pour soigner Akav. Legolas va se faire plaisir et normalement on sera pas mal. Beaucoup d'armées d'or qui se stockent par là. Alors ce que je pourrais faire par contre ça accentuera un petit peu la charge. Ça permettra de temporiser un petit peu. Pour l'instant. On refait la thune, hein, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de bâtiments. Et là, on va se faire un petit peu plaisir. Hein. On limite, ouais. Ouais, ils n'arrivent pas à reprendre la vitesse. Hein. Ils ne céderont pas. Ils sont vraiment coincés, hein. Bon, ça va. Par contre, il y a eu une attaque de troll. Et depuis, il n'y a plus grand-chose. Tout cas, la cavalerie de la motte, hein. C'est un plaisir fou, hein. Je comprends pourquoi ils nous ont donné que 2 unités, hein. Franchement, très bonne unité. Aragorn, t'es parti un petit peu trop loin. Hein. Je sais, le pauvre Frodon et tout ça, mais... Peut-être pas abusé, hein. Bon, on va peut-être pas invoquer ça direct. On va encore. Voilà, comme ça, toutes mes unités sont buff, c'est parfait. Est-ce que t'as un petit Athelas Gimli, t'es là? Allez. Tac. Toi. En fait, tu restes là-bas, t'es très bien là-bas. On va faire un petit sort de soin. Tranquillement. Et boum! Ah, les premières unités à Aradrim sont de sortie. Ouais.
Les trolls redoutent les archers. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je vous crois à 100%. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer au moins ça pour temporiser l'armée des morts. Oh, des trolls, pardon. Moi, j'invoque pas non plus la grande armée des morts, ça serait un petit peu abusé, mais globalement, voilà, ça va permettre de temporiser. Donc, ça va être pas mal. Et on va peut-être faire ça pour un petit peu achever les trolls. Voilà. Je sais, j'ai utilisé deux pouvoirs, mais en vrai, je pense que ça valait le coup. Boromir a failli mourir, par contre, waouh, les héros ont vite pris cher, hein, de nouveau. Hein. Faut vraiment que je me méfie des trolls. Hein. Jusqu'à maintenant, je trouvais que les trolls faisaient pas de dégâts, donc je faisais pas très gaffe. Mais sur cette mission, ils ont l'air un petit peu boostés. Hein. Bon, ça va. Allez. Petite retraite d'Aragorn. Les catapultes, c'est vraiment chiant quand il y aura vraiment beaucoup d'orques parce que pour les atteindre, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Ah, il focus encore mes petits camps, non! Allez, vous vous occupez de ça. Oh, les Mumak, franchement, pff, vraiment con. Hein. En vrai, je pense que la strat est bonne jusqu'à maintenant par rapport à ce qui arrive. Hein. Vous mettez juste deux unités d'archers de chaque côté, et votre camp est protégé. Et globalement, il vous reste 550 de pop pour défendre. Hein. De base, vous avez 300, donc ça se fait facile. Par contre, même ma tour centrale a perdu la moitié de ses PV contre des archers orcs. Ah ouais! Les bâtiments. Ces bâtiments de BF. Il est mort? Il est mort de quoi? J'hallucine. Hein. Franchement, je sais même plus quoi dire. Les archers orques là, c'est quoi? Ça, c'est l'œil de Sauron, ça va? Les Mumak arrivent. Bon, les Mumak redoutent les archers. Ouais. Les archers. Ils redoutent pas l'armée des morts? Moi, je dis les Mumak, ouais, ils ont plus peur de l'armée des morts. Hein. Ah, ça s'est pas invoqué. Ah oui, merde. Réflexe de héroté. Mauvais côté de la souris. Ah ouais, bah oui. Je suis désolé, ils craignent plus l'armée des morts que les archers. Hein. Globalement, on va essayer de faire aussi des dégâts sur tout le reste. Hein. On va en profiter. Il y a des petits trolls potentiellement à tuer. On leur met des morts après, mais ça a utilisé, on va dire, qu'une fois, et après, il y a l'invocation d'Héroïrim. Allez! Voilà, 1200 de pop. Oh, ça va être chiant à gérer, par contre, tout ça. Je sais même plus qui est à cheval. Ok. Ok. Les archers. Bon, vous allez là. Hein. Cavalier là. Normalement, ce qui restait des Mumak, je pensais que ça serait assez vite réglé. Ok. Oubliez cette unité. Bon, normalement, tout héros irait au niveau 10. Hein, et ça, c'est la classe. Par contre, ouais, ça fait beaucoup d'unités à gérer. Hein. On va les mettre sur les flancs. Ok, ça a tenu. Il me reste ça, ça et ça. Ok. Ouais, du tout abuser l'armée. Hein. Plus ça en Royaume. Laisse-moi se faire plaisir. Ah merde, Pipin, non! Bon, il a quand même survécu à un gros rocher qui lui tombe sur la gueule. Hein. Respect. Ah ouais, par contre, ils veulent mon Faramir. Hein. Nous défendrons cette terre. Nous sommes attaqués. Take them this way.
What? Oh les dégâts. Allez. J'ai une petite charge, hein. Contre les archers orques, what? Les dégâts qu'ils nous mettent, hein. Ils m'ont presque tué une unité. Là j'étais pas prêt. Bon, globalement, ça c'est pour mon petit plaisir malsain. Écraser des orques, c'est mon passe-temps favori. Ouais, des nouvelles armées qui spawnent, donc ça sert pas à grand chose. Mais pour la beauté du geste, c'est toujours pas mal. Et on va faire un deuxième puits parce que c'est pas comme si j'avais. Je pensais combien de pop de cavaliers? Ouais, 350, une connerie comme ça. Bon, en tout cas, j'ai attiré peut-être un petit peu de trolls. Ok. Par contre, pour sélectionner les bons héros, là, à dire t'es là, toi tu peux aller au corps à corps. Toi t'es là aussi normalement. Ils vont où eux? Et what? Tu vas me dire que là ils vont pas me... Ils vont vers le camp ou vers... Ou vers mes cavaliers? Bon, globalement, bon. Ça me simplifie la vie s'ils me tapent pas. Hein. Allez, petite charge de cavalerie. Bon, pour l'instant, je trouve que ça lag pas trop. Parce que 1200 unités de... 1200 unités pour moi, plus ce qui spawn à l'autre bout du Mordor, là... pas mal. Allez, vous me pétez ça. En tout cas, là, ça marche beaucoup mieux que juste ces unités de la moitié. Hein. Ouais, elfes et persoline. Parfait, ça. Alors, j'ai bien tous les héros à cheval. Hein. Bon, il y en a d'autres qui pourraient se rajouter, mais... Ouf. Par contre, franchement, ça... C'est pas une très bonne idée. Je trouve qu'ils auraient pu trouver... Défendez vos camps jusqu'à la mort. Ouais, peut-être pas quand même, hein. C'est quoi ça? Oh la vache, 5 ennemis. Non mais j'ai trop de héros, vous voyez que ça se rajoute tout? Mais non. Par contre, c'est bizarre que les trolls se fassent pas bump. Par contre, oh, c'est même pas compté dans les héros, mais comment vous voulez que je micro-gère les aigles? Des malades. Bon, les trolls, ils s'arrêtent devant mes unités, ils dansent. C'est une manière de voir les choses. Mais pff, ouais, les aigles, je les garde au cas où, parce que bon, bon... Là, je vais perdre un petit peu de pop. Mais tranquille. La grande charge de cavalerie. Vous voyez comment dans un jeu faire une plus grande charge de cavalerie que dans Ring of Power. Ça c'est pour temporiser. Ok, plus que 3 minutes à tenir. C'est parfait. Moi de toute façon je veux pas perdre ma cave. Toi, je sais pas ce que tu fais là, mais tu vas retourner au front. Vous trois, c'était pour éviter que... Ah bah, il y en a un qui va mourir. Je sais même pas où il est. Il est là. Ah oui, il mourait des archers. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vise ma cave? Ok. Bah, écoute. Ouais. Corps de vous. Voilà. Comment s'il y a beaucoup de choses. On va invoquer des Ents, hein. C'est très RP hein, dans cette région du monde. Hein. En espérant pas perdre trop de Rohirrim. Merde. Oh. Il fait one shot. J'ai perdu le roi du Gondor.
Pas du tout dans la vue, hein. Le truc, c'est de jamais paniquer. Hein. Bon, je panique peut-être pas assez aussi. Ça aussi, c'est très fort possible, mais... Très fort possible. Hein. Apprenez le français avec ASA. Moins de 10 minutes. Bon, j'ai perdu presque 200 de pop, et je commence... Ah, merde! Mais... Je pensais que les tours, ça les tuait, en fait. Ouais, les trolls. Les trolls, ça fait mal, hein. Bon, en vrai, j'ai presque envie de dire... À clic, vas-y. Pas de soucis. Ah oui, c'est vrai que j'ai les aigles. Bon, ouais. Et je suis sûr qu'ils sont one shot par les archers. Mais là, de toute façon, c'est la grosse baston finale, hein. On se fait plaisir. Allez! Ouh, le Gondor et le roi. Alors, mais des mains, on va peut-être le garder pour la fin. On va peut-être pas abuser avec la charge, par contre. Et arrêter de sélectionner des unités qui sont pas de la cave. Pff, ah oui, les aigles. C'est une chair, hein. Bon, occupez-vous de ça. Il y a une unité d'archer qui a tiré sur les aigles, il y a direct pris cher, hein. Ce mal doit disparaître. Donc comme vous pouvez voir, bon, il y a quelques légers freeze, mais vu ce qu'ils me font spawn sur la gueule. Par contre là, l'arc de cercle que j'ai fait là pour tuer les ennemis, c'est à mon avis une bonne strat. Hein. Je suis fier de moi pour une fois. Hein. Ah merde, j'ai perdu Pipin. Comment je vais faire? Ah oui, j'avais perdu Gimmy aussi. Vous m'avez pas dit de le refaire dans en commentaire, hein, scandaleux. Ah merde. Ouais, mais il suffit qu'il y ait un... Ah, les aigles commencent à apparaître dans mes héros. Voilà, suffit que un ou deux héros meurent. C'est bon. Allez. Ouais, mais vous, tu me saoules, Gandalf. Hein. De toute façon, grosso modo, là, ils ont mis... Ils ont mis de telles... Enfin, ils ont mis trop d'unités pour qu'on résiste. On n'est pas censé résister. Ah, oh, il y a tellement d'unités. En vrai, la fin est un peu plus dure que d'habitude. Hein. On va pas se cacher. Mes cavaliers, malgré la charge glorieuse, elles prennent cher. D'ailleurs, on va y replier avant que il ne soit trop tard. Ok, par contre, les aigles... Par contre, ils ont mis trop de héros. Hein. Si, tu peux même plus les sélectionner là. Hein. Waywin va mourir, je sais pas de quoi, peut-être peut-être de son ragoût, hein, on sait pas. Bon, j'ai peut-être tout perdre, mais en vrai, je pense que je vais résister. Hein. Bon, en vrai, on va peut-être le faire maintenant. Et on va faire un clic. On va essayer de les pousser. Parce que là, ils nous mettent trop de pression. Là. Faut qu'on réussisse quand même à reprendre un petit peu l'ascendant. La charge glorieuse, c'est un peu dégager les unités, mais pas les trolls. Le problème, c'est surtout les trolls. Hein. S'il y avait que le reste, ça passerait, mais les trolls... Pff, ils ont bien boosté aux hormones de croissance. Aux hormones de croissance, pardon. Et donc, ouais, deux ou trois qui focus un de vos héros, il est mort, hein. Moi, je vais perdre encore quelques héros. Ouais, pour pas perdre de héros sur cette mission, faut quand même y aller. C'est tout ce qui me reste en cave? Non. Ah, j'ai perdu tellement. Bon, il me reste la cavalerie de la droite. Hein. Au final, ça aurait été plus résistant. Et je me dis même. Est-ce que c'est mes héros Irim d'élite? Ah, c'est même pas mes héros Irim d'élite. Ah, si. Ouais, bon, toi, tu me fais pitié, quand même. Merde, Théoden, il est où? Ouais, Théoden. Pour la mort et pour la gloire, bah, ouais, tu l'as eu, hein.
L'abus a un mot, ça s'appelle la porte noire. Et globalement, ça va être une grande victoire. Bon, on aura perdu la moitié des héros, mais on en aura quand même autant que dans la mission de base. Allez! Dernier clic de la campagne. Et victoire finale. Ouais. Aïe. Oh non, pas Homer. Pas pendant le générique. En tout cas, je pense 3-5 minutes en plus. Et ça aurait pu être difficile, non? Et en vrai, je trouve qu'ils ont bien rendu la fin compliquée. J'ai quand même perdu moitié de ma pop, hein. Et ouais, par contre, j'avais plus de héros. Un petit bug d'affichage là. Normalement, ça devrait être bon. Allez, me bug pas juste à la fin. Ouais, merci. Ouh, en tout cas, c'était difficile. Gardez tous vos héros en vie. Ouais. Oh, il y a tellement de héros que ça s'affiche même pas en entier. Bon, mes unités ont bien pris de l'expérience. Ils sont pas morts. Porte Noire ne rapporte rien. Et victoire. Je vais juste tuer combien d'unités, ça m'intéresse. Bâtiment, unité ennemie détruite. 10 000. 10 196. Franchement, on est pas mal. 10 000 orques qui sont entre Frodon et la montagne du destin, on les aura tués. Legolas finit premier de la campagne, assez largement en tête, suivi de Gandalf, d'Aragorn. Et au pied du podium, on retrouve notre ami nain Gimli. Bon, beaucoup trop de héros. Ah, ça, vous voyez ça? Ça, c'est pas bien. Éowyn, aucun effort avec ton ragoût. Meilleure unité. Ah, les cavaliers de la mode. Moi, c'est vrai que je m'amuse autant avec les cavaliers de la mode qu'avec les héros Rohirrim, sauf que les héros Rohirrim ont beaucoup plus de bataillons, donc ouais. Cavaliers de la mode, premier. Bon, j'ai perdu beaucoup de Rohirrim. Sinon, ouais, on est plutôt pas mal. Hein. On a quand même beaucoup qui ont tué des unités. Même les elfes, hein, sur cette mission, même s'ils sont arrivés un petit peu en retard, hein, ils ont quand même tué ce qu'ils devaient tuer. Total campagne, bon score final qui, je sais, qui veut pas dire grand-chose parce que bon, globalement, plus l'émission dure longtemps, plus vous avez un gros score. Le but c'est peut-être de pas prendre non plus 5 heures pour faire toute l'émission. En tout cas, victoire, score de la campagne. Et c'est terminé. Pour la campagne du bien sur le patch 2.22, donc qui a été modifié. Alors en conclusion, je trouve quand même que les modifications sont pas toujours folles, on va dire. Bon, les unités d'élite, pourquoi pas. Après, ils ont changé certaines missions comme Isengard où ils ont ramené tout à la fin. On ne sait pas trop pourquoi, ce qui dénature un petit peu la mission. Après, on a aussi l'entrée d'Arachné qui était assez particulière. En plus, après, on récupère les unités à Minas Tirith. En tout cas, beaucoup trop de héros. Hein. Vous avez vu comment ça s'affichait à la fin, alors que les aigles étaient même pas dedans, hein, parce que normalement les aigles sont comptés comme des héros, bien ce que je me disais. Donc voilà. Bon, après, il y a quelques missions intéressantes. Osgiliath, c'était pas mal, il y avait quand même une bonne surprise avec des assauts qui se rajoutaient. Ça, je trouvais ça, c'était plutôt pas mal. Minas Tirith, bon, globalement, il y avait peut-être un petit peu plus d'orques, mais sinon, ouais, c'était plutôt pas mal. Mais ce qui est bizarre, ils ont changé beaucoup des missions et d'autres pas du tout. Bon, en tout cas, le générique, on va peut-être pas attendre la fin du générique, faut pas abuser, voilà. Donc j'espère que cette vidéo et toute cette campagne vous aura plu. Alors je sais pas si je vais directement me relancer dans BFM1 ou on va peut-être de nouveau changer. Après, je sais pas s'il y en a qui sont intéressés à que je fasse la campagne du mal sur, pareil, le patch 2.22 parce que je pense qu'ils ont modifié des trucs. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, du balai!